J'aime bien cette petite musique, ça calme avant de se remettre dedans, tu vois. Donc Shin Le Grand à gauche, il est resté à gauche, c'est très très bien. Laissez les intros. Eh, ça laisse pas les intros! Ah, mais vous êtes embêtant, hein, franchement, à pas laisser les intros, les gars. On vous demande juste ça, hein. En plus, c'est beau de voir les intros. Si c'était Easyman, il vous aurait ban, hein. Ah oui! Et Easyman, il a pas ton temps, j'adore. Il y avait Brenjoremo qui arrivait en lui disant hey, salut mec, tu veux faire des FT? Il a dit bon, par contre, Brenjoremo. On se connaît pas. Je que tu m'appelles mec parce que bon, on se connaît pas vraiment dans la vraie vie, donc pas à l'aise avec ça. Donc. C'est bien qu'on joue, mais par contre, tu te calmes un peu, hein, Brenjo. Oh putain, ah, j'étais mort, non mais. Ah, ça m'a tellement fumé. Bah ouais, j'étais trop mort, ouais. Mais tout le monde, mais c'est toi, c'est drôle. Bon alors, dis bonjour, mais par contre, attends, je connais pas, donc je connais pas. Mais ouais, je te jure. C'est ça, mais bien sûr, c'était vrai, c'était vrai. Qui m'avait montré ça? Je sais plus si c'était... Ah, c'était trop drôle. Normal. Je sais plus qui est-ce qui était là. Mais ce qui est bien avec Easyman, tu sais qu'il va te dire ce qu'il pense, tu vois. Il va pas faire semblant. Tu peux être d'accord ou pas, bon, c'est son choix, c'est notre choix, mais en moins, il te dit ce qu'il pense, tu vois. Il passe pas par 4. C'est ça. Bon, moi aussi, je jouais 8 et je lui disais, ouais, j'aime bien 8 dès le début, mais c'est pas juste pour gagner, tu vois, c'est parce que j'aime bien le perso depuis Day One, tu vois. Dès que j'aime bien un perso, je le joue, comme Gogeta, tu vois. Et il me disait, non, tu joues 8, non. Ah, je suis mort. Bon allez, retournons dans le match. Parce que là, il y a quand même Nero qui fait une belle opération. Mais il suffit que je le dise pour qu'il drop. Bon, attention, hein, on a presque le même nombre de barres de ki. What? What the... J'ai pas compris. Il a pas son temps, je suis mort. Ah bah ouais. Bon, ça récupère avec le L. On fait les vrais combos. Ça fait très très mal. On ramène dans le coin. Level 3. De toute façon, ça sortait du coin en fait, hein, donc il a préféré faire la level 3 directement. On a un Spark toujours actif, enfin toujours présent plutôt. Ah! Dommage, pas de confirme, mais c'est dur de confirmer hein, sur ce genre de coup. Ok, ça ramène pas ses 18 pour gratter de la vie bleue, je suis un peu étonné. Peut-être qu'il n'aime pas Freezer et qu'il a préféré garder Freezer pour l'avoir dans le coin! Mais c'est le changement de sens. Aïe. Un petit manque de patience là, hein, du côté de Junanago. En même temps, t'as quand même la barrière qui t'empêche de réfléchir. Et je crois que c'est la mort. Hein. Ah non, peut-être pas. Non, c'est pas la mort. C'est pas encore la mort. Ça va être juste, mais il va rester un petit peu. Il y a un petit grain. D'après mes calculs, il reste un petit grain. Oh! Absolument pas un analyste financier au Yémen. Aïe aïe aïe, et on meurt avec son Spark, mais non. Et je crois que c'est pas la première fois en plus, non? Je crois qu'il allait mourir avec son Spark tout à l'heure, mais c'est son adversaire qui a drop, quoi. Il en a vu. Donc moi je comprends pas cette manie de perdre son Spark, les gars, comme ça, les gars. Vous avez un Spark? Moi je préfère vraiment le péter dès le début, au cas où. Alors peut-être pas trop vite, parce que c'est vrai que je peux le péter un peu vite. Mais je préfère ça que perdre un perso, hein, les gars. Franchement. C'est ça. Parce qu'un perso en plus c'est toujours plus fort, vous avez une assist en plus, vous avez du pressing en plus, vous avez des cornflakes en plus, vous avez des tout comme ça. Ah. Ok, du Nanago, bien joué. Ah dommage ça, il change de sens sans le vouloir en fait avec le LL autocorrect. LL, bien déchopé du côté de Shin Le Grand. Okay. Ah, ça trouve ouverture l'eau, bien joué. Bien joué, on va... Voilà, on va extend avec les assists tranquillou, on va mettre au coin et on aura déjà 3 barres, on a déjà les 3 barres. Iko Janaga. Bon, ok, assure hein, White Black hein. J'essaie de retrouver les extraits de Easyman pour vous partager. Vas-y hein. Vas-y, j'avoue hein. Envoie le lien dans le truc, comme ça je monte ça, puis on peut se marrer. Bon, en tout cas, le pressing continue du côté de Junanago. Ça continue, malheureusement, on n'a plus rien là pour presser. Shin Le Grand qui est resté patient, mais malheureusement qui fait un mauvais deflect. C'est un petit peu bizarre. Alors qu'il avait l'air de s'amuser à garder. Bon, écoute, c'est dommage, mais. Allez, il va falloir profiter de ça. Voilà, on profite de ça. Oh non, c'est un peu tard. Il va se faire punir? Non, il s'est pas fait punir. Ouh, merci. Allez, on extend correctement avec les assists. Et on a. Des bonnes babars.
Des bonnes babas. Level 3. Des bonnes babas. Allez, on voit le setup, on voit le setup. Ok, overhead shop, c'est bien déchopé du côté de Chine le Grand. Franchement, Junanago qui me fait plaisir. Hein. Il joue très très bien là, je suis très content. L shop, ça c'est aussi déchopé. On est sur PC poteau. Hein. Ça y est. Hein. Bon. Ok. Mm-hmm. Super dash, pas puni par Chine le Grand. Attention au super dash là. Bien joué ça. Oh là 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 là, on a une phase de jeu là les gars. On a une phase de jeu entre les deux joueurs incroyable. Je trouve ça vraiment très très beau à voir. Aïe 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 aïe, j'ai parlé trop vite. Bon, la phase elle était quand même belle. Joli ça. Il avait pile poil la bonne distance pour confirmer et faire les combos. Rejump. Très très bien joué. Let's go. Level 3. Ikuyo. Junanago. Wakata Wakata. On a compris. Tchané, bye. De plus en plus compliqué. Attention, cross-up. Non. Oh, la chop direct. Level 3, ça tue. Ça tue pas. Ça tue. Non, je gole. Ça tue pas. Ça fait pas 50%. Ouais, non, ouais. Avec l'IEX, ça tue ou pas, non? Non, c'est pareil. Je sais pas, parce que je sais que l'IEX, ça fait pareil. Ouh, bien joué ça. Bien joué ça. Ça permet surtout de comboter, mais je sais pas ce que j'aurais pu faire dessus. Ok. Je sais qu'avec le limit break, en fait, c'est ça qui me perturbe. Oh là là, le fait cross-up qui passe. Il préfère mettre directement le spark pour pouvoir faire les vrais combos. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est beau. Il est même pas en golden, il a pas besoin. Et ça va tuer, mon gars. Le mec a fait ce qu'il fallait pour avoir les barres et ça tue. Namen Janez Ogura! Me sous-estime pas, poteau. Il garde encore son spark pour Ultra Instinct. Je veux bien quand on est. Bah, quand on est Goichi ou quand on est Wawa, quoi. On a une garde de ouf, non pas que, bah ouais. Hein, même les joueurs de la trempe des Kasuga et compagnie. Oui, Kasuga, ouais. Et encore hein, récemment, j'ai vu Kasuga garder son spark pour C21, mais ça n'a pas été très rentable. Hein. J'ai observé qu'il aimait bien garder son spark avec C21 Kasuga récemment, mais au moins, j'ai vu au moins 3-4 matchs où ça l'a pas vraiment aidé. Moi, je suis dans la team spark dès le début, si jamais je suis dans la merde. Hein. Bon, en tout cas, est-ce qu'on aura une remontada, les gars? Champ, je sais pas de quoi vous parlez. Il y a moyen d'avoir la remontade d'un Ultra Instinct Spark 2v1. C'est comme si on était à deux regards de partout. Voilà, voilà. Fais le vanish. Il dit pas ton spark. Il n'aurait pas eu. Mais Champ, genre, tu connais pas, genre. Il va drop. Non, mais pourquoi? Mais il avait juste à faire une level 1. Au moins pour mettre au sol, tu vois. Au cas où. Aïe, aïe, aïe. Ah, allez. Ah, bien joué ça. Ah là là, mais non, juste le 214H, tu confirmes, tu tues, mon gars, c'est tellement simple. Aïe 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 aïe. C'est dommage, hein, il jouait bien là. Il a appuyé sur tous les boutons qui sont pas là, à la fin, j'ai pas compris. Cross up, ah non. Bien joué ça. Ah, il a eu de la chance, il a eu de la. Ça tue, hein? Non, ça tue pas, non. Attends, ah peut-être, si ça tue, ça tue, ça tue. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas fait L truc. Oh non. Tu penses? Ouais. Limit break, moi je pense que c'est un peu chaud. Ouais, ça tue complètement. Oh lolo, mais limit break. Bien vu Jarad. Ou Dragon Rush. Ah ouais. Bon. Là, ultra. Comeback ou pas comeback? Oh là 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 là, je veux voir un comeback. Allez, 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 fais-moi plaisir, Junanago. Le fruit de ton entraînement. Oh! Bien joué, mon gars! Mais non! Je pense pas qu'il aurait pu tuer, mais là, faut faire le max de dégâts. Faut pas être là, le regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe. Il a encore l'occasion. Enfin, il peut encore se rattraper s'il fait pas de bêtises. Attention, voilà. Non, ça marche pas deux fois le super dash, ça aurait pu être punish. Oh, voilà. Merci. Tu drops pas, merci. Voilà, Ultra Instinct. Et Ultra Instinct qui confirme encore une fois sur cette musique triste. Que c'est vraiment trop cheaté. Putain de perso de mort. Trop cheaté. Ultra Instinct. C'est ça la saison 3. Par rapport à moi, j'ai oublié d'appuyer. Ouah, ce magnifique 2H. Allez. Aïe aïe aïe, ouais, j'avoue, t'es un petit peu en retard. Bon, c'est pas grave. On va faire ça bien. Je sais que tu peux te marrer. Alors, je change juste de son parce que, quand même. Voilà. Allez, let's go, on se met dans une bonne optique. Bon, Junanago, il est chaud là. Il a l'air chaud. Let's go. C'est parti. Pa, 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 pa.
Level 1, ok, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais bon, il fait ce qu'il veut, hein. Cela ne nous regarde pas. Aïe aïe, dommage, malheureusement avec l'assist de C17, t'es trop loin. Je peux pas confirme. Ok, ça tente une sorte de LL Shop P derrière, mais non. On aura les 3 barres du côté de C18 qui s'en donne à cœur joie au Kizeme à suivre. Attention, parce que on a Ultra Instinct en face de soi, donc il y a moyen de réfléchir. Voilà, tu vois, c'est ça qui est chiant avec ce perso. Il te fait trop réfléchir. C'est-à-dire que comparé à n'importe quel autre perso où tu sais que t'as ton Okizeme et que tu fais ton setup, lui, il peut appuyer sur R1. Eh ouais. Ok, dommage, il n'y a pas eu de cross-up. Là, je m'attendais à un cross-up. Pas besoin de re-jump. Tac, on tue. Coup dur pour Junanago. Va-t-il pouvoir chicoter Shin Le Grand sans Ultra Instinct? Telle est la question. Voilà. Je ne doute pas de ton niveau, Junanago. Mais. Là, il va falloir être solide, mon gars. Il va falloir peut-être user de ton spark un jour. Hein, mais de façon correcte. Parce que là, regarde, tu te fais ouvrir et tu perds ton perso. Eh ben voilà, bien fait. Bien fait. Bien fait. Désolé. Hein. Mais ça, c'est trop. Ça fait 3 fois. Même 4 fois tout à l'heure dans l'autre match, ça fait la même chose. C'est dommage, hein, mais voilà. Voilà, écrasement facial. Et c'est la mort. Eh non, hein, mon gars. Eh ouais. Junanago, elle aime les choses sales. Bon, allez. Enfin, Juachigo, pardon. Non, c'est du Junanago. Non, c'est Junanago. Oh là, je mélange tout, moi. C'est Junanago, pardon. Ah là 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 là, il a tout donné sur ce deuxième match et là, il est en train de se faire démonflex. Tu kiffes le double facecam ou quoi, Cybox? C'était bien, moi j'aime bien, franchement. J'aime bien ce genre de C. Bah ouais. Double facecam. Moi j'aime bien, je trouve ça trop stylé, donc. Bon bah écoute, j'ai envie de dire, voilà, il est mort avec son spark. Il aurait pu activer son spark 4 fois, 5 fois, 6 fois. Junanago, t'as vraiment fait le con. Désolé, hein, mais. C'est dommage parce qu'il avait très très bien joué et il a vraiment fait le con. Je peux pas ne pas le dire. Baka. Bon, allez, on approche un petit peu plus de des choses sérieuses. Let's go. Tu te bats contre toi-même. C'est mon front, je me bats contre mon front. Ah, moi j'ai vu. Zarat, c'est pas un mec qui va respecter tes conneries. Hein. Par contre, faut le savoir, ça emploie du super dash comme si on était un mec du live. Et ça. Et ouais. Et c'est dommage parce que là, tu vois, Chomp, il aurait voulu rester au sol. Mais le problème, c'est que Jared a pu le pousser tranquillement. Bon, c'est pas grave. C'est reparti pour Hollywood Chewing Gum. Let's go. Petit setup. Ah, j'ai cru qu'il allait faire le setup shop là, celui. Ok. C'est bien gardé. Magnifiquement gardé. Ouh. En tout cas, la shop. Le Dragon Rush qui passe, mon gars. Pa. Oh, c'était respect sur moi cette phase. Hein. Hollywood Chewing Gum. Ok, Jared qui préfère Spark. Vous voyez que même les plus grands Spark. À défaut de ouais. Perdre leur perso, tu vois, c'est mieux. Ouais. C'est tout qui te boue, hein. Si tu le perds à ce moment du match, aïe 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 aïe. Tu nous emmerdes. C'est quoi ce drop? Aïe aïe aïe. C'est dommage, hein, effectivement. Champ qui drop parfois bêtement, ça peut lui coûter des matchs. Hein. Oshimina! Let's go. Ah, il a raté. On a bien vu le Gochi Jump là qu'il a essayé de faire. Rater sa main et s'appuie sur les boutons. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi quand j'essaie de m'enregistrer au Namek Panda 4 ça ne marche pas? Parce que tu. En fait, il y a des petits soucis pour des fois se connecter. Il faut bien que tu mettes le nom de ta team et tout. Je sais pas comment t'expliquer. Il faut que tu choisisses le bon Senzu aussi. C'est plusieurs événements, le Namekanda. C'est ça. Il y en a eu deux qui sont déjà passés en fait. Donc faut que tu regardes. Bon, en tout cas, on aura. Oh non, il a fait trop tôt. Mais oui, je me disais bien qu'il avait fait un peu tôt. Ah, c'est dommage. Un prêté pour un rendu. C'était su. Oh ouais, Light Shop. Mets-moi un Vanisher, gros. On a du metteur en plus. On aurait pu avoir Kizem depuis une shop là. Oh. Ah, bien joué ça. Il a bien suivi. Il veut vraiment gratter des dégâts. Il veut vraiment gratter. Non, la vie bleue. Non, il y avait trop de coups. Sur l'appel assist, il a peut-être fait un petit peu trop tard. Bah en fait il aurait fait un EX, ça serait passé, il aurait fait l'EX je pense, il aurait pu du coup lâcher la level 1 toi.
Ah, c'est dommage. Bon, en tout cas, Champ qui se... comment dire, Champ qui se rattrape bien, là, parce que du coup, il peut récupérer sa vie bleue, il peut jouer un peu le temps. Et on va voir quel sera le setup. Ok, ouais. Fake overhead, ouais, tranquillou, double overhead, totalement gardé. Bien fait, totalement gardé. Moula épée combo. Jarad, ça va tuer complètement. Jarad, il se met. Non ! Mais qu'est-ce qui se passe, Jarad qui grotte beaucoup aujourd'hui, hein ? C'est la fatigance. Ou bien c'est la connexion. Pas de quoi, Mister Adelbia, tranquillou. Ok, ça va tuer. Ça va tuer s'il drop pas, on drop pas le combo, très bien joué, voilà, tout simplement, on a la barre. On a tout ce qu'il faut, l'assist, level 1. Oh là là, Hollywood Chewing Gum. Mais non. Mais j'en ai marre de ces drops là. Ah, bordel. Ah, j'aime pas voir ces drops, il a pu se mettre tellement bien. Là, t'as un ultra instinct, un kill boost, il faut pas faire d'erreur, c'est dommage, 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 dommage. Bon, allez, c'est pas fini. Ok, on utilise les pouvoirs de Baby. Franchement, c'est de la chiolo. On rate le confirme sur Ultra 1. Putain, l'équipe blast dans les ZF. On va pouvoir presser avec un perso qui a zéro mix. Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, t'as parlé, regarde. Oh, j'avais même pas vu. Oh là 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 là, oh là magnifique. Je restaure ma santé, et eh ouais. Voilà. Voilà. Et là reste lucide et a pensé à récupérer les Dragon Ball. What? What the f? Ah, peut-être les égoïtes aiment rater ça encore, je pense. Ah, tu penses? Ouais, quand tu fais mal la manip, ça fait des Tiger Knee et ça fait du coup des furies vers l'avant. Ça m'arrive pas. Ah, d'accord. Oh, bien joué ça. Allez, on confirme bien et on a les barres. Logiquement, ça devrait tuer s'il fait les bons combos. Voilà, allez, juste un seul, ça suffit. Chop. Et voilà, magnifique. Et moi, on m'entend pas bien. Ah bon? Comment ça? On n'entend plus Majin. On the night, again to the mix, but... Oh mais non, mais Chomp! Mais Chomp, il m'emmerde. Oh, le Kiblas qui vient quand même. Qu'est-ce qui m'entend plus à part Adelmia, vous? Première fois que je vois l'animation. On entend White Black à un niveau bien inférieur. What? Non, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Bizarre ça. Ouais, on se fait carry par le super dash, les gars. Carry des ou net. T'as pas baissé le volume sonore? Bah là, je viens de le réaugmenter à fond donc. Couillon. Monte le son sur ton Discord. Bah non, non, mais en fait, je l'ai pas baissé hein. Non, je t'entends, je veux dire white moins que toi. Ah, d'accord. Non. Attends. T'as rien touché depuis tout à l'heure. Non, j'ai rien touché, mais c'est pour ça. En fait, il disait juste qu'on t'entend, on l'entend moins que moi. On t'entend moins que moi, en fait. Faites attention, hein, les gars, vous me perturbez avec vos dires, là. Attends, je vais augmenter le son de... Ça veut dire que depuis le début, je vous mets dans la sauce, mais à cause de Majin... Bah non, attends, Personne n'a rien dit, le c'est plein. Là, c'est mieux. Oh oui, ça récupère. Is salé. Là j'augmente un peu là. Oh, arrête de faire le fou, genre ton perso fait des mix-up et tout là, des confirmes. Oh, light chop, ça passe, Jarad qui a dodoté. Hey. Ah oui, il a fait vraiment simple. Simple de ouf, bon. D'ailleurs faut que je mette le score. Il y a 1-0 pour la champinade. Champinade, exact. Oh là là, j'aime beaucoup ce que je vois, hein. Champ qui a l'air très chaud là, hein. Ça fait plaisir. En même temps, les deux persos, ils ont des assists contières, notamment Champ avec ses deux assists C qui permettent de récupérer. Y'a pas de soucis, Adelmia. Oh! Il a fait le setup, mais version raccourci un peu. Hein. Ouais, par contre, il a fait vraiment optimisation sur 20 avec un mini tourbi lol. Ok, ça active son spro. Oh non! Le vieux 2H. Oh ouais, c'était plus qu'un vieux 2H maintenant. Ah ouais, non mais... What? Mais on a cette barre, pourquoi on fait pas, on met pas un petit Tokizeme dans la gueule? Et en plus, ça se prend le 6ème. Mais j'hallucine, on est où? On est où? On est où? Hein? On est où là? Excusez-moi, mais on est où? En plus, ça tue quoi. Non mais...
On a fait simple, c'est ça qu'on veut. On va NON Mais pourquoi? Allez. C'est bizarre tous ces drones là quand même. Aïe aïe aïe, c'est dommage les gars, vraiment dommage. En fait, Anelmia, tu voulais dire, j'imagine on t'entend plus, pas plus en fait, et du coup tu m'as porté à confusion. On n'entend plus, imagine, ouais, on entend plus. Ouais, plus, bah, la langue française, ouais, c'est ça. Ça c'est. What? Ok, le mec s'est pris pour Amialki quoi. 1, 2, 3, 1, 1. Hollywood Chewing Gum! Ah non! Cookie Land. Allez, let's go. En plus, tu te recraches, ça veut dire que t'es dégueulasse. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Moi, je veux pas aimer. Ah, dommage. Ouverture. Oh, bien joué. Ok, je connais le point faible de Jared maintenant. Je vais aller prendre Grogu. Oh là là là. Mais ce personnage. Regardez les top tiers, les nouveaux top tiers. Ah. Non. Il paraît, c'est dur à jouer. Lol. Quoi? Dur à jouer ça? Bon. Ouais, les Japonais ils disent n'importe quoi. Et les Américains c'est pire. Une seule tentative de loop depuis le début. Franchement, bien joué à Chomp qui RPZ et qui gagne Jarad 2-0. J'ai envie de dire.